s'agit pas de la fin d'un combat. Il s'agit plutôt de la réussite d'une démarche démocratique, patriotique, d'une conviction dans une vision politique stable du chef de l'État. Donc nous n'avons jamais été combattus par qui que ce soit. Nous avons plutôt été incompris par une portion de la population qui ne savait pas que les choses devaient changer. Et donc pour nous, c'est un sentiment de joie, de satisfaction, de réussite et de détermination. Parce que nous devons désormais nous engager résolument à faire des actions réelles pour l'intérêt de la population. Nous sommes obligés de dire à la population qu'il est temps de faire totalement confiance à l'excellence Fifi Massouga Saïni, gouverneur de province de Lualaba. Non seulement elle est déterminée, mais elle est complète. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a été députée depuis 2006, élue dans la ville de Lubumbashi, alors qu'elle était dans un parti de l'opposition MLC. Elle a été réélue en 2011, et doublement élue en 2018, et donc c'est un leader, une femme politique qui a la conviction de ce qu'elle voudrait faire. Et pour ceux qui la connaissent, ils ne sont pas surpris. C'est une dame confiante de ce qu'elle veut faire. Elle ne tâtonne pas, elle ne tergiverse pas. Elle est convaincue de ce qu'elle veut faire. Et pour nous, c'est un sentiment de joie, de satisfaction, parce que nous avons au moins un leader, femme, qui incarne la conviction et la détermination et qui nous permet de dire aujourd'hui que nous devons réussir ce mandat. Le message d'aujourd'hui, c'est organiser une marche improvisée pour d'abord soutenir le chef de l'État, le président de la République, qui a fait que tout soit possible. Et à travers lui, le gouvernement Samalou Kondé, qui a présenté les budgets hier, vous avez suivi, a amené les budgets à 10 milliards, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et donc, nous devons soutenir le chef de l'État, nous devons les rassurer que les petites groupuscules des gens qui contestent le choix de Kadima comme président de la CENI est une distraction. Parce que dans les budgets des SAM, beaucoup d'argent ont été prévus pour le recensement et l'organisation des élections. Et donc, le chef est déterminé à organiser les élections. Nous voulons leur dire, alignez-vous pour permettre à cette opposition de reconstruire la province sous le leadership de l'autorité provinciale, je cite son excellence pour France. Alignez-vous, ça ne sert à rien de se jeter dans le petit terrain, la gauche à droite. Il est temps que nous puissions, chacun de nous, apporter sa pierre à l'édifice pour permettre à ce que cette province soit reconstruite. Elle est en train d'être reconstruite. La machine, elle est déjà en place. Ça ne sert à rien, alors à rien. Les petits communicateurs à gauche, à droite, ne perdez pas le temps, alignez-vous pour que, ensemble, nous puissions reconstruire la province. La population doit faire confiance à Félix Tshisekedi. Oui, c'est une grande journée. Oui. La population doit faire confiance à Fifi Massouga. Il était difficile pour Massouga Saïni de sortir de sa résidence pour aller à son cabinet de travail. Il a fallu des efforts musclés de sa garde rapprochée pour se frayer un passage. C'est à pied que Massouga Saïni s'est rendu au gouvernorat accompagné d'une foule de ses administrés. Nous sommes en train de soutenir les chefs de l'État par le billet du Premier ministre qui a déposé hier le budget à l'Assemblée nationale. Et nous savons pendant toute l'année 2022 que le gouvernement du Premier ministre, avec le soutien du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ça va s'améliorer. Parce que les recettes, nous sommes en train d'y travailler. Nous soutenons Fatshi, soutenons le Premier ministre. Voilà, c'est ça l'essence. Tu as vu la population, très tôt le matin, ils sont venus à la maison pour me prendre afin de soutenir le chef de l'État. Nous sommes satisfaits parce que nous voulons aller aux élections en 2023.